Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne suis pas en live. Ah, c'est fail. Mais c'est quand même le week-end, voilà, donc on va laisser ça. On va mettre le petit mode anti-bug avant que je commence à laguer, même s'il est tard. Donc bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Normalement, cette vidéo sortira le dimanche, donc bon dimanche à toutes les personnes qui se sont levées pour regarder ma vidéo et pas pour les autres parce que vous vous êtes pas levé, vous êtes pas des vrais. Non, je déconne, c'est pas vrai, moi-même à ma propre vidéo je me lève pas, tu sais. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relooking. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui la semaine dernière dimanche m'ont soutenu sur YouTube et m'ont laissé un petit message pour être relookée. Franchement, j'ai vu, vous avez été énorme, j'ai vu plein de messages, je me suis tapé des barres. Pour me soutenir sur YouTube, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur YouTube et là une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Vous pouvez regarder presque 5 pubs par jour et presque tous les jours, voilà, en fonction de combien il y a de publicités disponibles. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à vous. Merci beaucoup à vous. Et du coup, aujourd'hui, j'ai sélectionné du coup 3 personnes. Donc, je vous avoue, ça a été beaucoup du hasard, mais également aussi pour la première personne, c'est Kadmina. Donc, je sais, elle me soutient tout le temps, relooking, pas relooking, partout, à chaque fois, elle me soutient. Donc, merci déjà beaucoup à toi, même si j'avais un peu moins ton message. Qui dit je souhaite que Madame Toilette ait son propre uTip parce que ça se fait pas que toi t'en aies un et pas elle. Surtout qu'elle est meilleure que toi. Ensuite qu'elle fasse des relookings à la façon toilette. Et pour finir, mon salaire. Merci beaucoup d'avoir lu et de prendre en compte ses propositions. Cordialement, Kadmina, bisous 15, je t'aime fort. Mais Madame Toilette passe avant toi. Alors toi, je t'ai concocté. Enfin, je vais te concocter parce que je l'ai pas encore fait. Je vais te concocter. Il est difficile ce mot quand même. Il n'y a que moi qui n'arrive pas à le prononcer, concocter, hein. Un relooking du turfu, tu vas être très très belle. C'est la petite vengeance personnelle. Alors, je t'envoie déjà un petit auto au passage. Normalement, j'ajoute aussi en ami, mais Kadmina, voilà, je l'ai déjà en ami. Forcément, elle me tient tellement sur YouTube qu'il fallait bien que je l'ai dans mes amis. Donc, je rappelle, si vous voulez un relooking, maintenant, je vais prendre les messages sur YouTube. Je trouve que c'est plus facile pour moi et... voilà, au moins, parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai remarqué des personnes qui mettaient un commentaire, qui regardaient même pas la vidéo, du coup. Alors qu'au moins, sur YouTube, je sais que c'est des personnes qui me soutiennent. Donc, merci beaucoup à vous. Et on va faire, du coup, le relooking. Comme je l'ai prédit, on va faire un magnifique relooking. Très, très magnifique. Créer un nouveau look pour Kadmina. Ça fait plaisir, c'est pour toi. Enfin, je dis ça, mais ça se fait, elle a que des beaux trucs et je pourrais rien faire de très beau, hein, n'est-ce pas, hein, bien sûr. Alors, on va commencer par le vêtement principal. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir? Soit je prends des couleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, soit... pourquoi pas ça? Mais ça, on dirait pas le vêtement de Holly Nova. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui... Je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que Holly Nova a à peu près ce genre de vêtement-là avec un ruban dans la tête, non? Dans la tête. Sur la tête, plutôt, parce que dans la tête... Dans la tête, faut que je me calme, je crois. Mais ouais, non, prendre ce vêtement-là et essayer de custom pour que ce soit magnifique. Mais en vrai, elle a de très, 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 très beaux vêtements, notre très chère Kadmina. C'est trop beau. Je sais pas quoi faire, du coup. Je pourrais prendre le truc. Ouais, non, pas Noël. Noël, on va éviter. Non, mais après, j'aime bien ça. En vrai, c'est beau, mais faut que je fasse quelque chose. C'est trop beau, là. C'est trop beau. Pourquoi pas un collant? Ouais, mais en vrai, c'est trop beau. J'arrive pas à faire un... Elle a trop des belles affaires. Comment je fais? Ça c'est pas mal. En rose, comme ça, ça ressort un petit peu moins. Et du coup, ça fait plus léger, plus beau, je trouve, le collant, là. Oh là là, là-bas, je voulais faire un truc rigolo. Et au final, c'est trop beau. Enfin, du moins, moi, je trouve ça beau. J'espère que vous trouvez beau aussi. Mais ouais, à la base, j'étais pas partie là-dessus, quoi. J'étais pas du tout partie là-dessus. Mais bon, maintenant que c'est fait, allez, on va faire quelque chose de joli. Ça va bien avec la robe. Ça va très très bien avec la robe. Oh, je suis trop triste, je voulais faire un truc genre trop troll. Et en fait, pas du tout. Alors, oh, les cheveux bleus. Oh, les cheveux bleus. On adore les cheveux bleus. Moi, je valide les cheveux bleus. Ouais, je pense qu'on va rester sur ces cheveux bleus-là.
On va rester sur ses cheveux bleus. Et on va accessoriser. Donc maintenant, j'enlève plus les... Quoique, on va peut-être mettre le eyeliner là. J'enlève, généralement, j'enlève plus l'eyeliner. Enfin, l'eyeliner. Ouais, les cils, l'eyeliner, les faux cils. Ouais, les faux cils, voilà. Parce que si c'est pour les remettre après H24, c'est pas la peine, quoi. Du coup, je les enlève plus. Ceux-là, ils sont quand même plus... Oula, ouais, non. Les cils, on les a collés sur les sourcils. Les cils collés aux sourcils, c'est pas très... Ouais, j'aurais pu faire un truc trop ici, genre... Bam, tiens. Ouais, mais non, j'abuse. J'abuse. La tenue, elle est trop belle. J'ai pas envie de la... Comment dire, la gaspiller, entre guillemets. J'ai fait trop beau. Ok. Avec un petit sac. Pourquoi pas un petit sac. Un petit sac, j'aime bien. Attendez, on va mettre ça. Moi, j'adore. J'en ai, hein, des... Comme ça, dans la vraie vie, j'en ai. C'est... Voilà. J'espère que vous aussi, vous en avez. Parce que tout le monde devrait avoir ça. C'est trop bien. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les accessoires parce que c'est déjà bien accessorisé, hein, n'empêche. Hein. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. C'est bien accessorisé déjà. Donc, comme d'habitude, on va faire le petit 15 ans et passer. Non, je devais faire des noms bien. Il n'y a plus le 15 ans qui passe par là. Hein. On est passé Rolooking 2.0. On va appeler ça. À la base, c'était. Pas censé être comme ça. En gros, c'est le petit clin d'œil pour ceux qui ont regardé la vidéo. Vous comprendrez. C'était pas censé être comme ça dans le sens où c'était censé être un troll. Voilà. Et au final, ce n'est pas un troll. On passe au relooking suivant. Alors, pour la prochaine personne à se faire relooker, c'est un cas un peu spécifique. Vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez lire le message ici. Mais juste avant de lire, je tiens à préciser, n'oubliez pas de mettre votre pseudo, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais n'oubliez pas de mettre votre pseudo dans votre message, parce que j'ai reçu aussi des messages très mignons. D'ailleurs, c'était... Il y a une personne qui devait passer, mais du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait pas le pseudo, malheureusement, mais le message était super cute et tout, enfin, pas qu'une seule. Du coup, vraiment, n'oubliez pas de mettre votre pseudo dans votre message, parce qu'en fait, c'est pas forcément votre pseudo de votre profil qui est votre Movie Star Planet, enfin votre Movie Star. Donc n'oubliez pas de mettre vraiment votre pseudo. Et du coup là, je vous mets un petit screen. C'est Coucou Quinzel. J'aime. Non, c'est pas Coucou Quinzel. Vraiment, j'ai compris. Coucou Quinzel, j'aimerais trop que tu relookes mon meilleur ami en vidéo. C'est son rêve. Je voudrais lui faire une surprise. Son pseudo, Axeos2008. J'espère que tu le feras. Je veux lui faire la meilleure surprise du monde. Bisous, Thomas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Je me suis dit, ça pourrait être marrant quand même de prendre une personne qui participe pour son ami, parce que franchement c'est super cute quand même, c'est super cute. Il y a des gens qui veulent faire plaisir à d'autres, et du coup moi je voulais quand même mettre ça en avant. Et du coup on va faire un relooking à Axeos 2000. Donc en plus c'est un garçon, ça arrive particulièrement peu, hein, on va pas se mentir. On va aussi l'inviter en ami, j'espère que il m'aime bien à la base, hein. Et merde, c'est pas ça que je dois faire. C'est pas une vidéo où j'envoie des cadeaux. On va aller sur le profil et on va lui faire un relooking. Donc nous sommes dans le dressing d'Axelos. Et du coup nous allons enlever. Mais je trouve que j'aime bien son style. Et je dis pas ça parce qu'il porte une couronne comme Limonade porte. Oh, ça me fait trop. Ça me nostalgie, parce que je me rappelle Limonade, il avait sa petite couronne jaune sur la tête. Enfin, c'était pas exactement la même, mais du coup ça me fait penser à Limonade. Oh mon dieu, Limonade. Ah, Limonade qui a été banni de YouTube pour nos raisons, le pauvre. J'ai pas compris. Bref, on est là pas pour parler de Limonade, mais bon, bisous quand même à toi Limonade, si tu passes par là. Est-ce que pas, parce qu'il a plus de chaîne, le pauvre. Mais j'aime bien cette veste, j'aime beaucoup cette veste. Il avait un look assez casual avec la petite couronne en plus comme accessoire, donc on va essayer de faire quelque chose de différent. Alors, ok, il y a trois pages. Est-ce que je peux mettre ça ou pas? Non, parce que j'ai vu qu'il y avait des épaulettes, je me suis dit, ouais, ça va dépasser. Ça, c'est sympathique avec la veste. C'est juste dommage qu'il y ait une petite bout de manchette. Ouais, je sais, je vois directement les trucs comme ça. Mais les vêtements qui dépassent en dessous d'autres vêtements, ça me stresse. Et là, ça me stresse. Mais le problème, c'est que... Ouais, on va mettre le haut blanc en dessous. Hein. J'aurais aimé un truc un peu plus original, comme le haut dégradé couleur. Mais bon, tant pis. Avec ça, ça fait bien, ça fait un peu l'inverse, parce que c'est vrai qu'il avait un look assez chic avec, je sais plus si c'était le pantalon là ou celui-ci.
Il avait un look assez chic. Là, ça fait un look un peu plus décontracté. Comme vous savez, d'habitude, j'aime bien un peu faire des choses différentes que ce que vous avez comme look habituellement sur vous. Parce que sinon, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Pour les chaussures, nous allons partir sur des chaussures simples basket. Soit elles sont sympas aussi. Ouais, non, ceux-là, ils vont mieux avec le look jogging. Mais vous me direz, celui-là, ça... Ouais, non, c'était trop chelou. J'ai l'impression que c'est le pantalon chaussure, quoi. On va mettre une petite coupe. Oh, sympathique celle-là. Celle-là, j'aime bien. Il y a celle-ci avec le bandana, elle est cool aussi. Bah, celle avec la casquette, ouais, parce qu'en plus, la casquette, elle est grise, comme le reste de la tenue. Pour les accessoires, bien sûr. Oh. Et j'aime bien, moi. J'aime bien avec la barbe. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de movie stars hommes ou masculins qui ont justement... Oh, ça, c'est cool aussi. Une beubar, je crois que ça se dit. Et attends, peut-être parce que j'ai pas voulu mettre le casque en pensant. Ouais, non, avec la casquette ça fait chelou là. Regardez, ça disparaît ici, ça fait trop chelou. Mais ça aurait pu être bien. Par contre, celui-ci, oh non, je préfère garder ça que le casque. Ouais, on va partir là-dessus. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les petites lunettes, ça fait un peu... Ouais, j'aime bien. Attendez, il n'y a pas des lunettes full noires. Il y a ceux-là qui sont accrochés. Il y a ceux-là, mais je préfère ceux-là. Ça, ça fait plus de lunettes de vue. Ça fait plus de lunettes de soleil. Bah écoutez, moi j'aime plutôt pas mal. On va intituler ce look Beubar. Alors, je sais pas comment ça s'écrit ou pas Beubar. Attends, barbe. 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 Bah normalement ça devrait être Beubarbe à l'envers, non? Beubarbe. Enverlan. Pas Beubar. Enfin bref, dites-moi si elle s'écrit comme ça ou pas Beubar, j'en sais rien du tout, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Et on va appeler ce voilà. N'hésitez pas aussi à aller directement commenter sous le look. Si j'oublie pas, j'irai vérifier les commentaires pour voir si c'est Beubar ou pas Beubar. Si vous aimez bien la Beubar ou pas. Et on passe du coup au troisième look de la vidéo, voilà, donc même si ça commence à être long, j'ai envie d'offrir un dernier petit look, on va faire un dernier petit look. Et la dernière personne à se faire relooker dans cette vidéo relooking, c'est Sawi, donc j'ai envoyé une petite invitation à Sawi parce qu'elle m'avait demandé en ami un petit autographe, et on passe directement au relooking. Donc ici elle m'avait laissé un message, « Hey Quinza, j'espère que tu vas bien, je pourrais avoir un petit relooking de ta part, mon compte MSP, c'est Sawi. » Donc oui, bien sûr, on va faire un petit relooking à Sawi pour faire plaisir. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, encore une fois sur YouTube, qui me soutiennent également juste en regardant les vidéos, vraiment, c'est super sympa, vraiment merci beaucoup. Je sais que des fois il y a des gens qui s'excusent en me disant désolé je peux pas être sponsor etc, mais rien que le fait que vous soyez sur ma chaîne et vous regardiez régulièrement mes vidéos, c'est déjà un énorme soutien, donc merci beaucoup à vous d'être là. Et écoutez, on va faire ce relooking à notre Sawi. Donc moi j'aime beaucoup son look avec le petit cookie et tout, c'est genre ça va trop bien. Et je dis pas ça parce qu'elle a les yeux de couleur bicolore. D'ailleurs j'ai un projet, je pense, peut-être le mois prochain, je vais me prendre des lentilles de contact de couleurs différentes. J'ai envie d'avoir les yeux justement comme ça. Je pense me prendre des lentilles noisettes pour un œil à gauche et ou à droite, on s'en fout en fait lequel des deux en fait. Et des lentilles bleues, mais genre, je sais que j'ai les yeux bleus, mais j'ai les yeux bleu foncé. Mais genre, prendre des lentilles bleu clair pour que ça fasse le contraste et j'ai envie de faire ça. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, je le ferai quand même. Parce que voilà, faut que j'essaye. Faut que je fasse. Alors ok, pour le relooking de notre Sawi, qui a aussi, je pense, pas mal d'affaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme style de vêtements? J'essaye à chaque fois aussi de faire des choses différentes de vidéo en vidéo. Hein, parce que bon, c'est pour faire la même chose, ça part la peine. J'aime bien ce petit haut-là, c'est simple. Mais des fois, un petit look simple, ça fait plaisir. Je regarde s'il y a pas un petit gilet. Mais j'ai pas envie de mettre de gilet, en fait. Quoique, on tient quelque chose. J'aime bien l'association de couleurs de bleu et de orange. Je trouve que c'est deux couleurs qui se contrastent bien et qui sont différentes mais qui vont bien ensemble. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme bas, on va mettre peut-être ça. Ouais, ça. Et pourquoi pas un jeans comme ça. Eh, franchement, j'aime bien. J'aime bien, je pense pas changer de jeans, parce que du coup, il est bien, celui-là, vraiment, il est vraiment bien, quoique. Celui-là est sympa, non, on va repartir sur l'autre. Celui-là, il est bien, on va prendre d'abord les cheveux, je sais que d'habitude, je mets les cheveux avant, mais bon. Ça, c'est très, très belle coupe.
très belle coupe. On va peut-être garder celle-ci. Celle-ci, elle est sympa. Non, on va partir sur celle-ci. On va partir sur celle-ci au niveau des chaussures parce que la pauvre, elle va pas marcher comme ça dehors, hein, pas abusé. On va prendre des patins. Non, je déconne, on va pas mettre des patins. On va chercher des chaussures. Donc, des baskets. Quoique, on pourrait même... On pourrait aussi... Oh, oh, j'allais dire, on pourrait même la mettre en talon, mais là, là, ouais. Là, ouais, ouais, ouais. Et on accessorise la tenue avec... Donc, on va mettre... On dirait, si je mets ça, ça passe. Ouais, non, ça passe pas. Tu vas pas faire de l'équitation au talon quand même, n'est-ce pas? Peut-être ça. Non. La couleur rose avec l'orange et bleu. Pas fan, pas fan. Après, en soi, elle est déjà bien comme ça. Elle est déjà bien. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'accessoires, je trouve. Mais voilà, je regarde quand même par curiosité de voir si je tombe sur quelque chose. Oh! Tu me diras, ça c'est le genre de foulard, je peux pas voir. Pourquoi? Parce que ce foulard, on le reçoit tellement dans les premiers niveaux que c'est chiant, tu vois. Mais en soi, le foulard, il va bien avec la tenue. Mais j'ai envie de tester la sacoche orange, là. Et c'est cool parce que je trouve qu'elle a quand même pas mal d'affaires orange. Et c'est orange, c'est pas forcément la couleur la plus utilisée. Voilà, c'est parfait. Là, je valide. Là, ça fait... Je sais pas pourquoi ça me fait penser... Alors, absolument pas, mais Stranger Things, quoi. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à un look Stranger Things alors que pas du tout, en fait. Je sais pas, peut-être parce que ça fait... Avec la veste, ça fait un petit peu genre... années 80, j'en sais rien, mais... voilà, moi, ça me fait penser à ça. Et comment on peut l'appeler? On va l'appeler Orange is the new... Bon, on va pas faire plagiat is the new black, hein. On va marquer Orange is the new famous color, ok. On va rajouter le ok. Voilà, j'aime bien mes nouveaux titres. Ça rajoute du challenge à la vidéo de trouver des noms pour mes petites tenues. J'espère que vous avez bien aimé ces looks. Et n'hésitez pas à me dire également lequel des trois looks vous avez préféré. Est-ce que c'est le number 1, le number 2 ou le number 3? You can choose. Et bien sûr, évidemment, si vous voulez un petit peu vous amuser, vous pouvez aussi mettre en commentaire les noms que vous auriez mis à ces tenues. Que j'ai créé. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous encore une fois. Bon dimanche à vous et c'est bientôt les vacances, n'oubliez pas, c'est bientôt les vacances. On y est bientôt. Allez, ciao ciao.